Voici Bud, un employé de bureau tout ordinaire qui débute une journée de travail tout ordinaire. Même si Bud n'est pas le PDG de la société, sans lui, Conglom Co. ne pourrait pas vraiment tourner rond. Mais il y a une autre raison pour laquelle Bud est important. Une chaîne n'est pas plus résistante que son maillon le plus faible. S'il ne fait pas attention à la sécurité, il se pourrait qu'il ouvre la porte aux sinistres individus qui cherchent à s'introduire dans le réseau de l'entreprise. Oh non! Bud a écrit son mot de passe sur un bout de papier qu'il a caché dans un endroit facile à découvrir. N'importe qui peut deviner le nom d'utilisateur de Bud, lire son mot de passe, puis ouvrir une session en empruntant son identité. Halte là, Bud! Mémorisez votre mot de passe et évitez de le consigner sur papier. Si vous devez vraiment l'écrire quelque part, ne le cachez jamais près de votre ordinateur. C'est précieux, alors conservez-le dans votre portefeuille ou dans votre sac à main. Oh non, une minute là, Bud! Ce mot de passe est trop court. Un programme de piratage informatique peut le deviner en quelques secondes. Il faut trouver un mot de passe plus long, mon ami. Bud, laisse-moi deviner, ton mot de passe, ce ne serait pas Rover? Évitez de choisir un mot de passe que quelqu'un qui vous connaît bien peut facilement deviner. N'utilisez pas le nom de votre chien, de votre épouse, de vos enfants ou de votre équipe de foot préférée. Une date, comme votre anniversaire par exemple, n'est pas recommandée non plus. Et pour être fiable, un mot de passe doit comporter au moins 14 caractères. Essayez de mélanger des majuscules et des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux, des marques de ponctuation, par exemple. Oula ! Celui-ci va recevoir le premier prix de composition. Voyons donc ce que notre ami Bud a concocté. Eh bien, tu as résolu la quadrature du cercle en prenant en compte la gravité spécifique d'un atome de radium sur la planète Neptune. Mais ce mot de passe est trop dur à se rappeler. Comment vas-tu faire pour ne pas l'oublier, ou même simplement pour le taper plusieurs fois par jour? Désolé, Bud. Allons, Bud! Pense simplement à un titre de chanson, un poème, une réplique d'un film et ajoute de la ponctuation. C'est facile à s'en rappeler et facile à taper. ~20/20 Majuscule, minuscule, un chiffre, des caractères spéciaux. Mais c'est toutefois facile à mémoriser. Un long mot de passe est plus sûr et celui-ci contient plus de 30 caractères. Au tableau d'honneur, Bud! Bien, oui, tu as compris.
Très bien aussi, Bud. Oui, ça ira. Ok, c'est... Ça va... Bon, mais... Admet... Oui, si... Si, te... Mais ah... Oui, Bud, tu en as trouvé un bon? Bien, ne le cache pas près de l'ordinateur. Ah, tu le gardes en mémoire. Bien, je peux le faire disparaître alors. Ah, bien joué, Bud. Ça, c'est un chic mot de passe. Une journée ordinaire chez Conglom Co. Mais Bud n'est pas un employé ordinaire. Ses bonnes pratiques sécuritaires font de lui un des atouts pour la protection du réseau. Ne soyez pas le maillon faible. Voyez, le maillon fort.